Yo les postes, on se retrouve avec Nono ce soir. Malgré la victoire du Paris Saint-Germain au Juventus Stadium face à la Juve 2-1, le Paris Saint-Germain rétrograde de la première à la deuxième place. C'est le Benfica Lisbonne qui arrache la première place au Paris Saint-Germain. Nono, sur le papier, ça paraît une soirée quand même assez parfaite, mais soirée incroyable. Malgré la victoire du PSG ce soir, le Paris Saint-Germain se retrouve deuxième, Nono. Alors tu vas nous expliquer, parce que tu as l'info, parce que tout le monde ne l'a pas, ni RMC, ni Canal+. On se demandait, et on se demande, pourquoi le Paris Saint-Germain est deuxième, alors qu'il y a égalité parfaite entre le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne. Alors personne ne comprend, Nono va vous éclairer dans quelques secondes. Il y a la même différence de buts, hein. Plus 9, le même nombre de buts marqués, le même nombre de buts encaissés, le même nombre de points, un partout à Benfica, un partout au Parc des Princes. Nono, maintenant, tu vas nous répondre très clairement, tu vas répondre aux abonnés. Pourquoi le Paris Saint-Germain est deuxième et pas premier? Et pourquoi c'est Benfica qui est premier malgré l'égalité parfaite? Sacha, j'ai eu l'info. La différence se fait sur le nombre de buts marqués à l'extérieur. 9 pour Benfica, 6 pour Paris. Donc ça veut dire que pendant les matchs de poule, le Benfica Lisbonne a marqué plus de buts à l'extérieur que le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que le Benfica est premier ce soir. Tout à fait. Alors maintenant, Nono, très clairement, moi, ça m'énerve, hein, très clairement, là, de perdre cette première place comme ça. C'est très rageant, très clairement. Ce soir, il y a des choses qui m'ont vraiment pas plu. Si vous voulez savoir très clairement, allez voir mon débrief. Mais là, honnêtement, Nono, tu vas nous dire ton analyse, tu vas nous dire ton débrief. On va aussi parler du futur adversaire du PSG en 8e, qui risque d'être du très très lourd. Bon, après, tu me diras, je ne sais pas s'il y a une différence, parce que le PSG a fini souvent premier. Ça ne les a pas empêchés d'être éliminés en 8e de finale de Ligue des Champions. Mais de se faire piquer la première place, Nono, alors que tu as gagné, très clairement, c'est quand même assez rageant, malgré que le PSG a été assez catastrophique ce soir. Première chose, on n'a pas fait le boulot. Je vais te faire mon analyse, Sacha. C'est un nono en colère ce soir. C'est pas normal d'être bousculé par la Juve bis qui fait plus peur à personne. Alors voilà mes points noirs pour ce soir. Battu dans tous les domaines, battu dans l'intensité comme d'habitude, battu dans l'agressivité, ça joue pas en bloc, ça défend mal, trop de pertes de balles. Et puis moi, ce qui me met en colère, dès qu'une équipe adverse presse un peu, on n'arrive pas à répondre, c'est incroyable. Voilà. Et maintenant, on va parler un peu des joueurs. La seule satisfaction de la soirée, alors, coupure. J'ai trouvé Marc. Pardon ? Coupure, Nono, essaye de rapprocher un petit peu ton micro parce qu'il y a beaucoup de coupures. Ah, d'accord. Alors maintenant, la seule satisfaction de la soirée, on a retrouvé un Marquis à un niveau acceptable. À côté de ça, moi je suis en colère ce soir. Ils n'ont pas fait le boulot. C'était quand même une Juve très très faible en face. Et c'est pas normal. Maintenant on va parler des joueurs. Il va falloir quand même ouvrir les yeux. Et là c'est mon gros coup de gueule. Il va falloir ouvrir les yeux sur Donnarumma quand même. Il y a un problème dans sa relance, longue ou courte. Ça n'arrive jamais dans les pieds des Parisiens. Même dans les arrêts, il a été très moyen ce soir. Il va quand même falloir ouvrir les yeux sur le cas Donnarumma. Là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas les relances. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas les relances le problème. Là, c'est les sorties de balles, les sorties aériennes. Oui, non seulement le jeu aérien, dans les relances au pied, le problème, c'est les sorties aériennes depuis quelques matchs. Et le mec fait 1m96. Donc les bras levés et en sautant, combien il fait? C'est ça le problème, là, c'est pas les relances, là c'est les sorties aériennes surtout qui est problématique. Je suis d'accord avec toi, Sacha, sorties aériennes et son jeu au pied qui est défaillant, moi je suis désolé. Surtout les sorties aériennes plus que les relances, hein. Les sorties aériennes sont vraiment flippantes. Hein. Et même sur sa ligne, ce soir, il n'a pas été extraordinaire, il a relâché quelques ballons. Le point noir, et Mais voilà, Nono, pourquoi ne soyons pas... Pourquoi ne pas être honnête, Nono? Tout le monde le pense, donc dis-le. Je le dis, Navas est meilleur. Voilà. Et Navas doit redevenir numéro 1. Voilà, je le dis. Bon, maintenant, après, on va reparler des autres joueurs. Verratti qui stagne, Vitinha qui m'a l'air bien fatigué. Il va falloir m'expliquer comment des professionnels comme Campos ont pu mettre 25 bâtons sur Soler qui a été transparent.
Là, on voit que le recrutement a été très, très défaillant. Une grosse déception aussi pour moi ce soir, Léo qui a trottiné toute la soirée, et Dieu sait que je le défends tout le temps. Bon, ben on va retenir quoi? On va retenir le but extraordinaire de Mbappé. Et je vois que ça, Sacha. Hein, je vois que ça. Je vois que ça. Bah malheureusement, Nono, c'est quand même assez incroyable. Parce que là, on a l'impression que ce soir, le PSG a perdu. C'est pas le cas. On a l'impression que le PSG a perdu son invincibilité. Ce n'est pas le cas. Le PSG qui gagne. Le PSG qui reste invaincu. Le PSG qui perd sa première place. Ils nous ont inventé des choses quand même ces dernières années incroyables, hein, des remontadas contre le Barça, contre les équipes C de Manchester United, encore une remontada l'année dernière, et ce club-là a trouvé le moyen de se faire piquer la première place en gagnant le match qu'il fallait gagner et en étant invaincu. Ce club n'est pas comme les autres. Ah, mais c'est un club qui est vraiment différent. Je vais te raconter une petite anecdote. En Youth League, PSG Juventus, tu mènes 4-0 à la 90e. Je change de chaîne. Non, t'exagères. Non, t'exagères. Donc, c'est dans les gènes de t'exagères, ce club, t'exagères. Je sais pas si tu m'entends là, mais t'exagères. Il n'y avait pas 4-0 à la 90e, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, non. Bah, tu peux, bah, non. Renseigne-toi. Il n'y avait pas 4-0 à la 90e. Arrête. Ou 4-1. Il y avait 4-1. Il n'y avait pas 4-0 voilà. À la 90e. On va retrouver les chiffres, mais c'est n'importe quoi. Là, Nono, il exagère. Regarde bien, d'accord. Bien, Sacha. Bon, on va vérifier. Alors, continue ton analyse. Eh ben, l'analyse, comme je t'ai dit, bon, ben voilà, c'est toujours les mêmes insuffisances. Oui, ben, Nono. Nono, c'est bien de parler des joueurs. C'est bien de parler des joueurs. T'as raison, Nono. T'as raison. Il va falloir que tu me parles un peu de l'entraîneur, quand même. Là. Ah, ben, je vais te dire, là, j'ai un avis qui est quand même partagé. Ah oui, 4-1, Nono, 4-1, t'as raison, excuse-moi, j'ai confondu. Ah oui, bah, désolé. Mais oui, c'est dans les jeux du club. J'ai confondu. Même en Youth League, 4-1. Oui, il y avait 4-1. Il n'y avait pas 4-0, il y avait 4-1. Il y avait 4-1. Voilà, 4-1. Voilà, t'éteins la télé, tu remets la télé une demi-heure après, 4 partout. C'est dans les. C'est pas croyable. Même pas, pas une demi-heure après, 3 minutes après, 3 minutes après. Eh ben voilà, un match, c'est 90 minutes, Nono, hein, c'est pas 120 minutes. Hein. Bon, on est d'accord là-dessus, mais qu'est-ce que tu veux, voilà. Mais moi, je vais te dire, de toute façon, sur ce qu'on a vu ce soir, tu passes pas. Tu ne quitteras pas cet auditoire tant que tu n'auras pas parlé de Galtier. Tu ne quitteras pas cet auditoire. Tu ne quitteras pas l'audience. Moi, je vais te répondre franchement, Sacha. Ben, Galtier ou un autre, d'accord. c'est toujours les mêmes problèmes. Hier, conférence de presse, je veux finir premier, je veux de l'intensité, d'accord. Je veux corriger les erreurs défensives, d'accord. Je veux que les attaquants défendent. D'accord. Et ben, ils ont fait tout le contraire. Et ben, voilà. Au moins, lui, il le demande et il l'avoue après le match, chose que ne faisaient pas ses prédécesseurs. Mais moi, maintenant, on va commencer la rubrique. On va commencer la rubrique Nono question-réponse. Question-réponse. Eh ben déjà, à un moment donné dans le match, un partout. T'es d'accord ? On est d'accord. Dans le même temps, Haïfa, Benfica, un partout. T'es d'accord ? On est toujours d'accord. Donc le gars se dit, je suis qualifié, pour l'instant on reste comme ça, on joue pas. Et hop, Benfica met le deuxième. Benfica mène 2-1, le Benfica est premier. Ah bah le gars, l'adjoint vient lui dire que Benfica mène au score et que Benfica est en tête. Ah bah ok, d'accord. Donc lui qui a toujours l'habitude de faire des changements à la 87e se dit à la 71e, allez, je fais rentrer Hugo Ekitike et je fais rentrer Nuno Mendes, Nono. Au moins il réagit, c'est pas mal. Les deux joueurs rentrent, qui c'est qui marque ? Eh ben c'est Nuno Mendes. Est-ce que c'est normal ? Nono, est-ce que c'est normal ? Réponds-moi objectivement, est-ce que c'est normal que le gars attende que Benfica gagne pour lancer des joueurs et essayer de changer les choses ? Honnêtement, très rapidement. Ah bah non, mais non, mais ils ont pas fait le boulot. Non, voilà. Mais je parle de Galtier, là. Ah bah oui, mais Galtier, eh bah, je vais te dire, c'est la même erreur de communication que le match d'hier de Marseille. Mais il y a non. Un moment, il faut se dire que bon, bah, Benfica pouvait mettre une tour. Non, mais je t'explique, Galtier. Et là, c'est là qu'il peut. Non, c'est non, là non, qu'il non, non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, Nono. Un grand entraîneur et quelqu'un d'intelligent, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Avant le match, on s'en bat les couilles que Benfica gagne. On s'en bat les couilles que Benfica gagne 10-0. Notre objectif ce soir, c'est de gagner par plusieurs buts d'écart. Ils ont 14 absents. Vous allez leur marcher dessus. Non, le mec, il l'a fait à la française. Il l'a fait à la sudiste. On va attendre de voir ce que font les autres pour réagir. Mais le pire, Nono, et là, c'est ma deuxième question. Le mec, après, vu que le PSG a remené au score, bah lui, s'est dit, c'est bon, on est tranquille, on finira premier.
Il n'a même pas anticipé de savoir que si Benfica gagnait par 5 ou 6 buts d'écart, Benfica pouvait repasser premier. Le mec a attendu. Je pense que quand Benfica menait 3-1, 4-1, 5-1, on n'a même pas dû le prévenir. On l'a prévenu seulement quand Benfica menait 6-1 et que Benfica était officiellement premier. Et là, ce qui est incroyable, hein, la scène, vous avez dû la voir, hein, à la 92e ou à la 93e, l'adjoint de Galtier qui descend lui dire « Ah, Benfica, il mène 6-1, hein. Benfica est premier. » Dégagement pour le PSG. Et là, le gars, qu'est-ce qu'il fait, Nono? Il se transforme en allant voir ses joueurs et en leur disant allez monter, allez monter. Non, mais c'est une honte, Nono. C'est une honte. C'est une honte de faire ça. Bah là, d'accord, je suis d'accord un avec scandale. Toi. Erreur du staff. Là, je suis d'accord avec toi. Mais faut arrêter de. Fallait pas attendre la 90e. C'est ce que j'ai dit. Tu jouais la Juve avec 10 remplaçants. Tu dois gagner 4 ou 5-0 si tu mets les ingrédients. Le problème, ils ont pas mis les ingrédients, le problème de cette équipe, et c'est toujours la même chose en conférence de presse, ah bah on s'attendait pas à un tel rythme, ah on s'attendait pas à une telle intensité. Moi je te l'ai fait la conférence de presse de Galtier, hein. Sachant qu'ils étaient éliminés, je pensais pas qu'ils allaient mettre autant de rythme et autant d'intensité. Mais ça t'as pas à le prévoir, tu dois le prévoir en ta tête tout seul. T'as pas besoin de savoir que même s'ils sont éliminés, qui vont jouer, ils avaient une place pour jouer l'Europa League. Bah la Juve, c'est une équipe professionnelle, ils veulent aller en Europa League. C'est pas les Marseillaises, hein, Nono? C'est pas les Marseillaises qui font les stars. On est d'accord là-dessus. Déjà, l'ambiance incroyable ce soir au Juventus Stadium. Même les supporters parisiens ont donné de la voix. Je sais pas pourquoi il n'y a pas autant d'ambiance au parc, mais il y a plus d'ambiance à l'extérieur. Il y a plus d'ambiance, les Parisiens mettent plus d'ambiance à l'extérieur qu'à domicile. C'est quand même assez incroyable ce club, mais bon, c'est quoi? C'est incroyable. Grosse ambiance. Les mecs, bon, d'accord. Tu peux peut-être ne pas t'attendre à qu'ils mettent une grosse intensité, mais tu t'en bats les steaks que comment ils vont faire le match. Tu dois être professionnel et tu dois vouloir marquer, 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 marquer. Alors c'est vrai que Neymar ce soir, il nous manque beaucoup, mais c'est pas normal. C'est pas normal d'être autant baladé. On va essayer d'être un peu lucide. T'en prends 3 contre 3 qui t'a bousculé. T'en prends 2 contre Haïfa. Voilà. Et là tu joues la Juve bis et t'es bousculé par la Juve qui avait 10 remplaçants. Et ça m'a rappelé, tu sais quoi que ça m'a rappelé? Bah t'as été éliminé en 8e par le Manchester bis qui avait beaucoup de remplaçants aussi. Alors ce qui est incroyable Nono, c'est que tu gagnes, mais tu perds quand même la première place. Et en plus de ça, tu restes invaincu. Et en plus de ça, tu deviens le premier club français à s'imposer chez la Juventus de Turin en Coupe d'Europe. Donc Paris. Oui, mais là, je suis, non, mais quand même. Avec toi, mais c'est pour te dire que sur le papier, oh ça va. Quand Mourinho il a gagné la Ligue des Champions avec l'Inter en jouant à 14 derrière, tout le monde a crié au génie. C'est bon, maintenant stop. C'est bon, ça saoule. C'est saoulant. C'est saoulant, Nono. À un moment donné, t'as pas de chance. Des fois dans la vie, t'as pas de cul, t'as pas de chance, Nono. T'as pas de chance. Sacha, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais reconnais qu'on a fait un match pourri. Et bah ça se trouve si Fabian Ruiz il sort pas à la 10e minute, ça se trouve le match il est tout autre. C'est possible, ça c'est possible. Ça se trouve le match il est tout autre. Sanchez il est limité, on le sait qu'il est limité. Vitinha il a joué tous les matchs depuis le début de saison. Il a joué tous les matchs. C'est le seul qui a joué tous les matchs, Vitinha. On peut comprendre un peu la fatigue. Et à un moment donné de devant, Nono, si tu prends pas de numéro 9 devant, comment tu vas t'en sortir? Même les trois de devant ils sont fatigués, Nono. Après c'est pas une excuse, hein. Tout le monde est fatigué. Mais on voit que Haaland depuis quelques matchs il est mis sur le banc. Au Real, Benzema il ne joue plus, il est blessé. Mais voilà, ils ont perdu aussi le Real. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non mais Sacha, je vais te rappeler. Non mais c'est bon, arrête. À City, l'entraîneur s'appelle Guardiola. D'accord. Et au Real, l'entraîneur s'appelle Ancelotti. D'accord. Voilà. D'accord. La différence, elle est là. D'accord, la différence, elle est là. Quoi qu'il en soit, on verra à la fin. Hein. On verra à la fin. Malheureusement, Nono, maintenant, ça va être chaud pour la suite des événements parce que je pense que tu vas te taper du très très lourd là. Eh ben toi, Sacha, qui aimes les gros chocs, eh ben là, tu vas être servi. Voilà. Ah, c'est un scénario quand même complètement dingue. Bah, ce sera le sujet de la vidéo, hein, les futurs potentiels candidats du PSG en 8e de finale de Ligue des Champions, les postaux. Malgré la victoire du PSG ce soir, le PSG perd sa première place et devrait rencontrer normalement du très très lourd en 8e. Peut-être une revanche contre le Real Madrid, Nono, qui sait. Allez savoir. Ce serait peut-être pas mal, hein. Je pense qu'il y aurait un sentiment de revanche, hein, Nono, très clairement. Moi, je sens un tirage réel aussi, ça pourrait être pas mal. Après, malheureusement, moi, j'ai toujours dit que je m'en foutais de l'adversaire, mais j'ai bien peur que si tu tombes contre Manchester City,
au niveau de l'intensité, j'ai bien peur de la dégringolade. Mais bon, un match n'est jamais fait avant que le match soit disputé. Les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.